Sok se seznámil s François Nicolasem a dalšími soudruhy a soudružkami na podzim loňského roku. A my v Soku jsme si uvědomili, že dlouhé pochody přinášejí možná jaksi nejprogresivnější nápad, co dělat dnes na levici. Jejich základní myšlenka je, že je zapotřebí propojit teoretiky a dělníky, tak jak se to dělo kdysi celkem běžně, a zároveň propojit tyto dvě skupiny internacionálně. Dlouhé pochody se zaměřují na to, že globální kapitalismus má své srdce, jak tomu říkají, a tím je 1 miliarda dělníků, kteří pracují v nadnárodních koncernech po celém světě. Další miliardu tvoří ti, kteří žijí ve slamech. No a dlouhé pochody nazývají se podle slavného dlouhého pochodu v Číně v 30. letech, tak dělají průzkum toho, co si reálně myslí dělníci pracující v nadnárodních koncernech a nakolik projevují odpor nebo určitou prostě formu emancipace vůči své práci. Takže já předávám slovo. Tak jo, tak já první tady François, který je takový, bych řekla, vedoucí té skupiny Dlouhé pochody, tak ho poprosím teda o nějaký úvod vlastně o té jejich aktivitě, o tom, co dělají. Nous sommes un groupe de militants parisiens de une dizaine de personnes qui venons du communisme maoïste en France. Notre souci, c'est comment reconstituer un communisme que nous pourrions dire 3.0, après ce que nous considérons comme un échec de l'hypothèse du socialisme. Nous considérons, nous appelons hypothèse du socialisme, l'hypothèse qui est venue de Lénine et qui a été portée à son terme par Mao Tse-tung, qui était l'idée de constituer un État socialiste dirigé par un parti communiste, avec l'idée que cet État allait pouvoir mener d'une manière pas très claire, vers le communisme. Il y a eu en Chine, à partir de 1958, une révolution qu'on appellera une révolution communiste, qui n'était plus la révolution socialiste de 1949, qui a commencé par les communes populaires et qui a continué par la révolution culturelle. En Chine, il y a eu trois révolutions différentes. Une révolution démocratique qui a démarré en 1927, et qui a pris son essor sous la direction de Mao Tse-tung au moment de la Longue Marche, et notre groupe s'appelle Longue Marche en référence à cette histoire, lutte contre le féodalisme et contre l'occupation japonaise. La révolution socialiste de 1949, qui a mis en place un État non plus démocratique mais socialiste, avec étatisation de la propriété des moyens de production et mise en place d'une planification. Et en 1958, il s'est avéré que ce chemin du socialisme était en fait un chemin du capitalisme d'État. D'où ce qui s'est passé en Chine, d'abord du côté des paysans dans les communes populaires en 1958, qui a été cette fois une révolution communiste et non plus socialiste, parce qu'elle s'est faite en partie contre l'État socialiste. Puis, bien sûr, la révolution culturelle en 1966, qui cette fois a aussi transformé, révolutionné les usines. Révolution culturelle qui a échoué en 1976 et qui a conduit à la victoire de ceux qui dirigent aujourd'hui la Chine, c'est-à-dire d'un capitalisme d'État ouvert. Donc la leçon qu'on en a tirée, c'est que l'hypothèse du socialisme ouverte par Lénine en 1903, que faire, a échoué historiquement. C'est-à-dire l'hypothèse que la marche de l'humanité communiste passerait par une séquence avec un État socialiste. Mais nous restons communistes, c'est-à-dire nous nous situons dans les orientations du communisme telles que Marx et Engels les ont caractérisées en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. D'où qu'il nous faut inventer, nous, l'humanité tout entière, inventer un communisme du troisième type
Le premier type, c'est Marx, Engels, dans le manifeste du Parti communiste, c'est le Capital. Le communisme du deuxième type, c'est celui à partir de Lénine jusqu'à Mao inclus, qui était normé par l'hypothèse socialiste, que maintenant nous avons à réinventer un communisme du troisième type dont nous ne savons pas non plus grand-chose pratiquement. Mais les orientations politiques du communisme nous semblent toujours bonnes. On n'a pas le temps de les détailler, on pourrait, mais on maintient les grandes orientations politiques du communisme. Mmh. Pour réinventer, il faut, nous semble-t-il, marcher sur deux jambes. La première jambe, c'est bien sûr le travail théorique pour repenser toute l'histoire du communisme et voir comment il serait possible de faire un communisme qui ne passe pas par une phase de transition socialiste. Nous travaillons ça et, par exemple, nous sommes très liés, par exemple, au philosophe Alain Badiou. Mais ce qui est le propre de notre groupe, c'est l'idée que cette avancée ne peut pas être uniquement théorique, elle doit absolument se faire et se discuter avec les ouvriers et les femmes du peuple. Le communisme de Marx et Engels s'est inventé en s'appuyant sur ces deux jambes. Il y a eu bien sûr l'énorme travail théorique, philosophique, économique de Marx avec le Capital, mais il y avait en même temps et même avant le travail d'Engels pour produire son fameux livre de 1844 sur la classe ouvrière anglaise. Pour comprendre la situation en 1844, Engels, qui ne connaissait pas Marx, a été étudier la situation en Angleterre, travaillant sur les livres, mais rencontrant les ouvriers anglais. Peut-être savez-vous même que Engels, rencontrant les ouvriers anglais, ou plutôt irlandais, s'est marié précisément avec une ouvrière irlandaise. Donc, si le communisme a été inventé en marchant sur ses deux jambes, le communisme sera réinventé en marchant sur ses deux jambes. Donc, de même qu'Engels a dû quitter l'Allemagne pour aller en Angleterre, pour enquêter sur où en était l'industrie à l'époque, parce que l'industrie vive était en Angleterre et pas en Allemagne, nous-mêmes devons quitter la France, sortir de France, pour aller enquêter sur les usines, qui sont les usines de la mondialisation, les grandes usines, qui ne se trouvent plus en France, mais en Tchéquie, en Corée du Sud, en Chine ou ailleurs. C'est pour ça que nous sommes venus pendant une semaine pour aller enquêter auprès des ouvriers de Foxconn en Tchéquie. Avant de vous présenter les résultats de notre travail de la semaine, nous voudrions vous présenter deux petits films. Le premier vous présente l'expérience d'un ouvrier en France qui essaye sur la chaîne de trouver des moments d'émancipation dans son travail. C'est tiré d'un livre très connu en France de Robert Linhart qui s'appelle « L'établi », un livre de 1976. Et le second film vous présentera 10 points, nos 10 points de travail dans un petit film. Donc regardons ces films et après on vous présentera rapidement le résultat de cette semaine à Foxconn. Et si l'on se disait que rien n'a aucune importance, qu'il suffit de s'habituer, tentation de la mort, mais la vie se relève et résiste, l'organisme résiste, les muscles résistent, les nerfs résistent, il y a quelque chose dans le corps et dans la tête, qui s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie, un geste trop rapide, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement, la remontée, le coulage, la tactique de poste. Tout se passe.
parfois il y a encore des événements, même minuscules. Il y a encore un temps, même monstrueusement étiré. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement. Je ne suis pas une machine. Je n'y arrive plus. Je m'éponge le front. Quand survient un secours inattendu. Georges, un grand gaillard à allure de playboy, qui travaillait en sifflotant à quelques mètres, a quitté son poste. Et sans m'en dire, il se met à faire mon travail. À la pause, je le remercie. C'est rien. C'est rien. L'élégance de Georges est comme un défi à la machine Citroën, à l'avilissement du travail et la chaîne. Je me suis forgé une petite tactique individuelle pour ruser avec le temps. Des accélérations, des ralentissements, un effort plus intensif le matin en commençant, un rythme plus paisible avant le repas et le temps de la digestion, des pointes de vitesse pour casser la monotonie. Le mécanisme de l'habitude réintroduit une petite sphère de liberté. Je regarde autour de moi. J'observe la vie de mon bout d'atelier. Je m'évade en pensée. Laissant juste un petit coin de tête en veilleuse pour détecter les défauts de peinture. Éviter les à-coups. Négocier avec sa fatigue. On se concentre sur les petites choses. Un détail minuscule occupe une matinée. Jamais autant qu'à l'usine, je n'avais perçu avec autant d'acuité le sens du mot économie. Économie de gestes.
économie de parole. Économie de désir. C'est à mesure infime de la quantité finie d'énergie que chacun porte en lui et que l'usine pompe, qu'il faut maintenant compter si on veut en retenir une minuscule fraction, ne peut être complètement vidée. On soupèse. Économie. Nous mesurons le mouvement près, notre fatigue. La résistance. Je la devine enfouie dans les collectivités nationales immigrées. Murmurée en kabyle, en arabe, en serbo-croate, en portugais, dissimulée sous une feinte résignation. Elle perce, vivace et inattendue, dans la clameur que soulève le vol d'une minute de pause. Ou plus modeste, elle s'incarne dans la simplicité d'un geste d'entraide. Le voisin qu'on empêche de couler en faisant une partie de son travail avant qu'il ne soit submergé. Georges, venant à mon secours alors qu'il ne sait rien de moi, sinon mon évident désarroi. Les attitudes aussi. Se tenir droit, veiller autant que possible à sa mise. World is unbearably unfair and brutal. We would like to turn it upside down from top to bottom. 2. The wild capitalist globalization is in no way the triumph of the society of consumption and communication. It is based on relentless production concentrated in large concentration factories hidden behind impenetrable walls. 3. The production of goods in the contemporary world is carried out by a billion workers, not by robots. 4. The work of these billion workers is the basis of the contemporary world, its active heart, not its negligible margins. 5. This work is overexploited. Low wages, infernal pace, flexible hours. But the contemporary world would have us forget that it is also dominated. The worker is not master of his work, of what he produces, of how he produces. His domination is by no means natural. It constitutes an alienation of the worker's labor.
Six, we want to expose this daily domination of workers' work. It is revolting that a billion workers spend all their days doing a job as if they were robots. It is an insult to the intelligence and creative thinking of workers all over the world. Seven, this question is not limited to the workers concerned. It concerns the intellectual militants that we are, as it concerns the women of people, the other wage earners, and the youths of the contemporary world. Eight, we have come to see you from abroad to discuss all this with you. We would like to know what you think and how you react daily, one by one or in groups, to this domination of your work. Nine, we want to circulate new ideas of political emancipation in the world, especially the ideas of workers like you about the situation in the big factories, about the exploitation and domination of working class labor, about how everyone resists it and invents other possibilities. 10. We would like to disseminate our exchanges and your ideas as we disseminate to you the first results of our work in some leaflets. Donc rapidement, nous avons passé une semaine à Foxconn. Nous avons distribué ces papiers à l'entrée de l'usine à tout le monde. Et nous avons rencontré ainsi 9 travailleurs avec qui nous avons discuté de ces points pendant notre semaine. Ce qui nous a surtout intéressé, ce n'était pas l'exploitation et la domination parce qu'on sait qu'elle existe, mais la manière dont les ouvriers, dans leur travail, essayent de résister dans l'usine, dans la journée, à cette domination. Par exemple, un ouvrier nous a fait ce schéma pour expliquer sa table de travail, comment il essaierait de la réorganiser alors que la direction le lui interdit. Nous avons surtout appris que dans l'usine, actuellement, chaque ouvrier se trouve très isolé. Chaque ouvrier n'a plus le sentiment de pouvoir s'appuyer sur l'existence d'une classe ouvrière. Donc, nous allons rentrer en France, écrire, raconter tout ce que nous avons appris à Foxconn, et nous allons revenir l'année prochaine pour présenter aux ouvriers de Foxconn ce que nous avons appris d'eux. Tout militant tchèque qui veut se joindre à nous est le bienvenu, en particulier pour favoriser l'échange, la traduction avec les ouvriers. Ma otázka, François, ostatní. Myslíte si, že tuto izolaci dělníků lze překonat? Lze vytvořit prostě povědomí o společných zájmech? Notre projet, premièrement, nous ne pouvons pas faire un travail prolongé à Foxconn. Nous habitons à 1000 km. Essayez d'organiser quelque chose à Foxconn avec les ouvriers demanderait un travail que nous, Français, on ne peut pas faire. Mais il n'est pas sûr qu'il soit possible aujourd'hui de faire une organisation politique dans les usines, parce que nous ne savons pas exactement comment reconstituer globalement l'orientation communiste. Donc les questions politiques qui nous animent, nous devons les partager avec un ouvrier. La réponse n'est pas plus dans les ouvriers que dans les militants. Je veux dire, l'isolation et les questions qu'on se pose, les ouvriers aussi se les posent. On n'est pas capable aujourd'hui de faire une organisation communiste. Si on était capable, on l'aurait faite. Pourquoi on n'est pas capable? Parce que repenser tout le communisme est une énorme affaire. Soit on dit, on attend, on ne fait rien, soit qu'est-ce qu'on fait? On partage ces questions-là avec les ouvriers. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les intellectuels qui se la posent. Et comment on le fait? En présentant à tout le monde l'importance aujourd'hui de la question du travail, ce que peut être un travail émancipé. Et quelles tactiques et méthodes
toho odporu v té každodennosti jste na své cestě objevili? On a surtout vu une résistance individuelle. Donc on a eu le sentiment, mais peut-être on s'est trompé, que chacun comptait sur lui-même et n'avait pas le sentiment de pouvoir compter sur quelque chose d'existant. Par exemple, les ouvriers mongols avec qui on a parlé, quand on parlait du syndicat, ils savaient que ça existait, mais ils ne connaissaient pas. Nous ne sommes pas venus pour organiser une lutte, ça n'est pas à nous de le faire, nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes venus pour partager avec eux les questions politiques du monde contemporain qui nous occupent. Et en particulier ce point essentiel de montrer qu'un travail émancipé est possible et pas simplement que le travail est condamné à être un travail exploité, dominé, comme si à la sortie du paradis terrestre, on était condamné à travailler pour simplement survivre. Je rajouterais qu'il y a effectivement beaucoup de résistance individuelle, mais on a aussi découvert, enfin on a aussi constaté qu'il y a aussi des résistances à petits groupes, des façons de s'organiser parallèlement à ce que demande la direction. Et pour nous, ça, c'est un signe de grandes possibilités pour l'émancipation, justement, dans le travail. Par exemple, un ouvrier nous a donné cet autre exemple où, entre trois équipes, il dessinait une possibilité d'aller céder entre les équipes, s'entraider, qui était interdite par la direction. Notre idée générale est de montrer que dans le monde contemporain, il y a des possibilités ou des potentialités. Mais non pas, on n'a pas les moyens de les rendre effectives. My máme vlastně stavební družstvo, máme tam dělníky. Jo? A prostě problém je, že já je už vlastně v poslední době nedokážu natáhnout třeba na takovouhle akci. Včera jsem to tady říkal, ale dneska je to asi pádnější, protože se o tom přímo bavíme. Dělnická třída je zmanipulovaná v podstatě nacionalismem, což je vlastně velký problém. A prostě jako třeba dneska jsem přemlouval od rána jednoho dělníka tamhle na stavbě, kde jsem dneska byl kontrolovat, aby se mnou sem šel a prostě nechtěl. Jako. Jo, ještě jsem ho vzal na pivo a přemlouval jsem a ne nakonec. A takže jako, to je pro mě jako základní problém, že se můžeme bavit o někom, ale nemůžeme se bavit bez někoho. No, děkuju. Proč nechtěl? Prostě se bál, že vám nebude rozumět, že jste na něj moc chytrý a takhle. Jako opravdu, jako, že tady jsou prostě samý spíš jako chytřejší lidi z vysoké školy nebo něco a on prostě z toho měl prostě nervy a nechtěl prostě. Večer přijde možná jeden, jo, ale to bude až po 6. hodině, on za Baník, jo, ale prostě to s ním něco můžeme pokecat, ale jinak se sem nikoho nenatáhnu. No. Jo, a třeba jako na 17. listopadu původně před já nevím, 3-4 lety se mi dotáhl do ulice celou bandu jako, a podpořit tady levici, ale prostě to měli úplně jiný existenční problémy než dneska. Jo. Oui, alors justement par le fait que notre intervention a été un par un, ouvrier par ouvrier, bien sûr nous imaginons en gros traits, des possibles points sur lesquels on pourrait faire des organisations ultérieures, mais nous restons quand même assez prudents sur ces points, déjà pour une question de ne pas révéler leur identité, et aussi pour une question de temps, tout simplement. On ne reste pas aussi longtemps pour pouvoir les mener. Et donc, il y a quand même cette difficulté-là. Si les ouvriers ont peur de venir ici, ce que je peux comprendre, c'est à nous d'aller aux usines, tout simplement, et de ne pas avoir peur, nous-mêmes, intellectuels, théoristes, d'aller aux usines, les rencontrer. Ça n'est pas difficile, il suffit d'aller, comme on l'a fait, à l'entrée de l'usine, et nous-mêmes, on avait des problèmes de langue. Et en 4 jours, on a rencontré 8 personnes. Donc vous avez raison, ça n'est pas intéressant de parler d'ouvriers absents, et c'est simplement à nous d'aller nous rendre présents auprès des ouvriers pour en parler avec eux.
Neumím si představit, že bychom na stavbě prostě našli čas a prostor k tomu, aby jsme se tam bavili o politice nebo o věcech, které ty lidi trápí nebo zajímají. Tam prostě na to není jednak čas a jednak nám to investor platit nebude. Ale třeba si umím představit, že jsme někde ubytovaní, což se teď děje, jsme třeba teď nedaleko Rakovníka, opravujeme tam historický statek a večer prostě máme tam kolektiv. Takže večer při kolektivu je asi možné se o tom pobavit, ale kdo má takové možnosti, která práce. Jo, tím, že jsme družstvo, tak je to částečně možné, ale jinde si to neumím moc představit. C'est d'autant plus une raison pour laquelle nous comptions pas avoir autant de rencontres. Nous sommes partis sur le fait que si nous rencontrons deux personnes, c'était déjà très bien. Et nous avons rencontré quatre fois plus. Já jsem chtěl ještě ohledom toho, jako tu pan vzpomenul, ohledom toho, že byla lidi hlavně v posledních rokoch z pracující třídy inklinuje velmi často k nacionalismu namísto tomu ľavicovému zmýšľaniu a že ako by sa to dalo tým pádom z ich pohľadu, ako by sme s tým mohli bojovať, alebo ako presvedčiť tú pracujúcu triedu, aby hľadili na tie svoje záujmy viac ako na tie záujmy toho štátu. Ďakujem. On n'a pas vu du tout, nous, cela, parce qu'au contraire, on a vu un internationalisme évident. Les ouvriers viennent de Mongolie, de Pologne, d'Ukraine, de Bosnie, de Slovaquie, de Macédoine, bien sûr de Tchéquie, de Roumanie. Donc pour ce que nous avons vu, la question n'est pas celle-là. Je ne dis pas qu'elle ne se pose pas ailleurs, mais pour ce que nous avons vu, ça n'est pas la question. Au contraire, l'internationalisme est évident. Et pour vous donner un exemple d'internationalisme prolétarien très concret, à un moment, il y avait l'un d'entre nous qui venait d'Équateur avec une femme qui venait d'Espagne, qui discutait avec un Mongol, qui avait pris quelqu'un qui venait de Corée pour traduire tout ceci en tchèque à une de nos amies tchèques. Já mám na to takovou reakci. Já když mluvím s dělníkem, o kterém vím, že je národovec nebo dokonce fašista, tak se ho zeptám, který cizinec mu vlastně ublížil. A když s ním prostě komunikujete upřímně, tak on vám to řekne. A z 90% zjistíte, že ten cizinec je člověk XY a na to já mu můžu říct, hele, ale to je manažer, to není žádná národnost. Takovou praktickou otázku, řekněte nám nebo publiku, kde přesně probíhají rozhovory s dělníky? Je suis un peu désolé, on peut pas ici dans une situation publique, trop discuter de ces détails. Quand nous sommes intervenus à la porte de l'usine, nous sommes intervenus trois fois. Deux fois, ça s'est bien passé. La troisième fois, ils nous ont envoyé la sécurité. On sait que la police et Foxconn essayent de voir comment on travaille et on ne va pas ici publiquement expliquer exactement comment on le fait. Mais avec tout militant qui veut travailler avec nous, on est bien sûr prêt à lui expliquer, mais en privé. Tak jo, tak tím pádem teda už bychom tuto diskuzi na tomhle místě ukončili. Já vám všem moc děkuju teda za zajímavé a podnětné dotazy, které jste tady vznášeli. Doufám teda, že to i pro vás bylo zajímavé a doufám teda, že ten překlad nějak umožnil to porozumění. Merci à vous, merci.